Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Vous ne le savez peut-être pas, mais sur le site bungie.net, le site officiel, chaque semaine, vous avez la diffusion d'une news, des dernières informations, donc, qui se nomme la BWU, la Bungie Weekly Update. J'ai donc lu cette mise à jour, je vais vous faire mon petit compte-rendu. Donc cette semaine, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ils parlent de leur hâte concernant le prochain DLC, la Maison des Loups, et en particulier de la nouvelle destination, en l'occurrence, le Récif. Dans cette news, on parle également du prochain patch à venir, le patch 1.1.2, concernant notamment le quatrième cavalier, puisqu'apparemment la mise à jour sur cette arme a été largement insatisfaisante pour les joueurs. Donc comme les développeurs restent à l'écoute de leurs fans, ils ont prévu d'améliorer la puissance à courte portée de cette arme et d'en corriger la stabilité. Côté correction d'autres bugs, ils ont parlé notamment de l'application qui est sortie avec le dernier patch, mais cette application, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, plante énormément, notamment pour les joueurs Xbox, donc ils ont prévu d'intervenir et tout simplement de leur permettre de mieux afficher leurs joueurs, voire leur liste d'amis. Pour certains, c'est même parfois complètement impossible. Ils vont également corriger d'autres bugs, bugs d'affichage, bugs de perte d'items et de munitions lors des transferts, donc tout ceci va être corrigé très très prochainement. Et pour terminer, ils vous invitent à interagir avec eux directement sur leur forum, à leur faire part de vos problèmes, de vos questions, afin de pouvoir toujours, dans une optique de s'améliorer, leur permettre d'être au courant des dernières tonalités de leur communauté. Donc pour ceux que ça intéresse, vous trouverez l'adresse de leur forum directement sur le site bungie.net. C'est tout pour cette petite news, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!